Bonjour mes petits camarades. Aujourd'hui nous sommes le lundi 16 septembre 2019 et je suis parti de Monthermé en passant par Roquelatou et en redescendant sur Tillet par un chemin forestier que je ne connais pas, enfin une route forestière qui normalement est interdite à la circulation puisqu'il y a des barrières, mais bon voilà, donc c'est un coin que je connais pas du tout. On verra bien ce qu'on va découvrir ensemble. Voilà. À bientôt. Visiblement, il y a quand même des inconscients qui s'amusent à faire du feu en bordure de forêt. C'est vraiment n'importe quoi, comme d'habitude. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas ma copine qui fait le poirier. Et ben voilà, depuis le Roquelatour, là, j'arrête pas de descendre sur Tillet. Donc bah, je descends dans la vallée de l'Assemois, puisque en fait, Roquelatour, c'est sur un plateau, hein. C'est amusant parce qu'en fait on croirait un chat ou un félin là, tapis au sol et c'est juste un tronc d'arbre. Et ben voici un endroit qui va bien faire mon affaire pour mon casse-croûte de ce midi, hein, parce que ben, il est midi passé et ben, mon estomac m'appelle. Hein. Donc voilà, bel endroit, aménagé très certainement par des chasseurs ou quelque chose comme ça. Alors, qu'a prévu le chef cuistot aujourd'hui? On a une petite tartinade de thon. Et puis, un pâté énaf, bien sûr. Donc, un pâté énaf à l'ail et aux fines herbes. Et puis, une tartinade de thon aux tomates séchées. Un bon morceau de pain, une pomme, une bouteille d'eau. Un peu d'emmental, voilà, on va être bien là, ça m'a l'air bien sympathique, hein. Et puis c'est joli, comment c'est ouvert, on va goûter ça, vous voyez bien, les amis, c'est bien bon, hein. Même si c'est la conserve, ça a du goût, c'est bien préparé, du thon aux tomates séchées, très bien. Ouais. Ça sent les herbes de Provence également. Hein. C'est peut-être pas plein d'énergie, mais au goût, c'est plein de soleil. Hein. Voilà. Oh, la bien belle terrine aux fines herbes et à l'ail. Je peux vous dire que ça sent bon hein, quand on ouvre la boîte, là. Voilà. Encore une petite trouvaille de chez Enaf. Hein. Très très bien ça. Le pâté neuf à l'envers. Alors là, bah, c'est tout simplement une merveille. Hein. Une merveille. Quel goût. Vraiment un pur délice. Hein. Mmh. Très très bien. Mmh. Oui ça. Hein. Une belle trouvaille. Alors, les bonnes fines herbes, une bonne gelée, magnifique. Très très bien. Et ben, il reste quasiment plus rien. Hein. La vie est belle. La vie est simple, faut pas se la compliquer, c'est tout. Profitez de l'instant qui vient. Bon ben, un bon petit morceau de mental avec un bon bout de pain, bien croustillant, très bien. Voilà mon environnement pour passer la côte, là. Tout ça. A du charme. Le charme que moi je lui donne. Et bien voilà. Un bon morceau de pomme pour finir ce bon repas. Ah oui, une bonne pomme. Bon ça. Très bien. Tout est bon. Quand on mange dans un bel endroit comme ça.
Voici que mon festin forestier se termine. On va boire un petit coup et puis on va reprendre la marche. Eh bien voilà, une belle petite pause qui se termine. Et puis on va reprendre la route. Alors bah, il est certain que le sac à dos est un peu moins lourd, mais le poids total est le même. Hein. Ce qui est dans mon sac à dos maintenant, c'est dans mon estomac. Et voilà. On est reparti. Bon ben là, en quittant mon point de casse-croûte là, je vois qu'il y a un chemin qui est parallèle à la route forestière, donc il doit descendre sur Tillet. On verra bien. Oui, voilà des signes qui indiquent la même possibilité. Hein. Voilà. Donc je vais prendre ce chemin là. Il est sympa, il y a une petite pièce d'eau là. Visiblement une propriété privée, hein, parce que là je suis au-dessus du grillage, mais c'est grillagé sinon. Hein. Propriété privée ou étang de pêche d'ailleurs. Hein. Voilà, parce que comme c'est une belle pièce d'eau, on doit pouvoir pêcher. Certainement. Et voilà mon copain le cheval. Il est beau. Eh bien voilà, voilà le village de Tillet. On y est arrivé. Et ben voilà, on arrive à côté du monument aux morts et à proximité de la Transsomoisienne, hein, puisque voilà, la Transsomoisienne, on s'en fasse. Allez-y! Je fais un petit bout de film alors, vous êtes dessus. Merci. Là, on a visiblement un nid de guêpes qui est à l'intérieur d'un trou d'arbre. Ça ronronne là-dedans. Hein. Enfin, je ne vais pas trop m'approcher parce que on ne sait jamais. Eh bien, vous êtes bien beau dans votre belle pâture, là. Hein? Voilà une porte vers la suite du chemin. Encore deux sentiers qui se croisent et mon chemin redescend par là. Voilà, captage AEP de la commune de Tillet, zone de protection des eaux souterraines. Eh ben. Bon ben là, je suis dans le lit d'une rivière à tous les coups, là, hein. Que de cailloux.